Salut à tous et à tous, c'est Trinum5 pour ce nouvel épisode de JABDC. Aujourd'hui c'est l'épisode numéro 9. Eh oui, c'était ça. Oh yeah. T'as deux sauts ou qu'un seul? J'en ai trois. Bah écoute, voilà. Moi je te dis, le principe, tu fais pas un truc cool. Le principe c'est tout foutre dans un coin, comme ça ça te crée un truc infini. Je vais faire, je me suis dit que j'allais le faire après, mais regarde là, je suis en train de faire un pur infini là. Là, là, voilà. Mais non, pas comme ça. Non, mais regarde, c'est parce que comme ça, j'en prends là et là j'en fous partout. Ouais, mais le truc c'est que regarde, t'en fous un peu tac 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 dans un coin. Tiens, prends un saut, on fait quoi? Dans les coins, j'en ai foutu déjà, je te rassure. Je suis pas débile. Bon, allez hop. C'est juste que là, le lac est en grand, c'est. Voilà, et hop, là j'ai un truc infini. Dans mon lac. Ah tac. Oui. C'est pour ça que donc ça va mille fois plus vite. Merveilleux. Marvelous. Voilà. Nice. Et j'ai la canne à sucre. Oui. Voilà. On fout tout plein à côté. Alors, qu'est-ce qu'on a en triple qu'on pourrait tuer? Oh, les moutons sont. Non, j'ai déjà tué en fait. Ouais, mais les moutons sont fous. Et le reste, j'ai fait un petit génocide. Note que c'est apparemment ça paye pas beaucoup. T'as pas des seeds? Si, tiens. K. Je vais agrandir. Arrête de les vomir. Non. De toute façon, j'ai la faux. Ouais, je vais agrandir un peu. Oh, pas la ouf, donc c'est bon. Je nous ferais bien une porte en piston, redstone. Amuse-toi. Tiens. Parce que bon, les zombies. En piston, tu veux pas plutôt la faire en fer et. Merde. Et genre activable, un truc. Ouais, que ce soit genre moins galère, tu vois. Ouais, mais. Ouais. Ok. Bon, du coup, j'ai ton saut, ça va me servir. Oui, bah j'en ai deux. Donc. Voilà. Hop, on a deux portes en fer. Je crois que j'ai la hache, oui. Voilà. Je peux même péter les portes à la hache. Et voilà. C'est joli comme ça. Il me reste 3 que je ferai un truc à côté. Non, je l'améliorerai par là. Je vais peut-être prendre un bouton avant de faire les portes en fer. bouton. Alors, moi je te dis pour l'extérieur des boutons, mais pour l'intérieur plutôt des plaques de pression. Oui. Rappelez-moi comment on fait un bouton. C'est de la stone pure, 2 ah. Verticale. Fuck. On a 4 selles. C'est n'importe quoi. 4 selles. Des selles. Des selles. Pour les cochons. Ah oui, les selles, pardon. J'étais en train de me dire le sel, sel, poivre. Alors là, c'est notre truc d'enchant. Faudra foutre des bibliothèques, mais ça va aller. Ah, tiens, voilà. Le portail, où est-ce que je pourrais le mettre? Nia, péter les vitres. Vilaine vitre. Et voilà. C'est beau. Où est-ce que je pourrais foutre ce putain de portail à la con? On pourrait même agrandir. Enfin, j'ai toujours. Enfin, je trouve que notre maison est petite. Bah, si ça t'amuse, tu peux. En fait, moi je me disais, tu vois, ouais, aventure suivie, ouais, on a tous les droits. Je m'attendais à un truc totalement épique du style notre maison recouvre toute la falaise. Bah, écoute, t'as le droit. Oui, non, mais on a le droit. On a tous les droits, on a absolument tous les droits. Mais moi je veux foutre notre portail. J'ai même le droit de te taper. Il parle pas, c'est qu'il me cherche. C'est beau de sneaker. Ouais, c'est beau. Oh connard! Je savais que t'étais là! Mais oui, c'est normal! Je t'ai vu! Non, c'est bon, stop! Paix, amitié! Mais je vais nous faire un bouton. Alors, où est-ce que je vais foutre mon portail? Par là. Un bouton. Dans le. Ah bah! Voilà, dans la continuité. On va se préparer à faire dodo. Ouais, ton. Bon, en fait, c'est tout pourri parce que. Ou alors, on se prépare pas à faire dodo et tu vas miner. Ça change quoi? Je sais pas. Rien, c'est bien ce que je pensais. Je vais mettre mon portail. Mais... on peut faire dodo, enfin c'est pour toi. Hein. Ah non, moi je m'en fous, je dois foutre mon portail. Oui, enfin c'est pas foutre ton portail. Bon, allez hop, allez, allons dodo. Comment on fait des plaques de pression, Dia? Des plaques de pression, tu prends des redstone pure et tu les remets deux horizontales. Oui. Merde, je me suis foutu dans ton lit, tu vas m'engueuler. Ouais, c'est possible. Non, j'ai pas de. Attends, non, sortir. Voilà, épée.
Comment, qu'est-ce que tu fous? Bah, je nous fais des portes accessibles, peut-être. Non? Oui. Voilà. Je sais pas. Et de oui, l'extérieur. Bon, par contre, de l'extérieur, j'ai mis qu'un seul bouton parce que c'est pas drôle. Sinon. Ding dong. Exactement. Merde. Oh, ouais, mais c'est galère. On en met deux. My ding ding dong. Ouais, mais ça avait pas fini de cuire. Tiens, non, c'est bon, j'ai un bouton, ça. J'y vais. Non, c'est con ce que je viens de faire. Ouais, je note ça, que ça change rien qu'on en ait deux. Hein. Enfin, moi je dis ça. Bah, c'est plus pratique quoi. Ouais, beau. Oui, du coup, j'ai deux portes en bois. Bon, bref. J'ai du cuir parce que c'est du loot. J'ai de la redstone. Ouais, j'ai un peu de papier, tiens, un papier. Où est-ce que je vais foutre le papier? Ah, bah on se voit sur la carte, cette fois. C'est cool. Ah, tu me vois? Oui. Il y a écrit mon pseudo, tout ça? Non. Mais de toute façon, je sais où je suis, donc j'ai pas besoin de voir ton pseudo. Non, bah environnement, le papier, hein, tant pis. Et donc, comme c'est moche, je vais quand même mettre une couche de... cobble en fond. T'as repris du bois toi, c'est ça? Oui, j'en ai plein. Oui. Ah oui, c'est bon. C'est beau, c'est boche. Il me reste des escaliers. Très bien. Moi, bon, je fais un petit accès tout con. Hein. Tu viendras. Merde, je peux pas monter. Voir. Oui, tu viendras voir. Ah, c'est vraiment. Ouais, on a deux haches en fer, c'est le truc totalement débile. Surtout, surtout que j'en ai une dans mon inventaire. Ah, donc on a trois à chaque fois. Mais bon, c'est comme ça que c'est ça, c'est bien quand on a plein de chance. Vais-je faire du minage optimisé? Regarde peut-être juste mon installation. Qui est censée être... Qui est censée être absolument affreuse et sans intérêt, mais bon. Et je vais aller l'allumer tant qu'on y est. C'est immondément immonde. Oui. J'ai pas de... Enfin... Ouais, même si tu veux rajouter à l'horreur, tu peux même faire ça, non? Attends. Histoire de. Je vais venir voir ce que tu peux mettre de plus horrible que ce que je n'ai mis. Non, mais non, mais non. Embuscade. J'aurais pu t'enfermer. Vire. Mais vire, toi, ça. Moi, je vais miner. Ah non, je vais me faire une pioche et je vais miner. Voilà. Il est allumé, on va entendre des petits bruits. T'as pris tout le fer comme un connard? Ouais, attends, je vais le reposer. S'il te plaît. Alors je me fais des baratons. Ah bah non, on a un stack. Voilà, portail du Nether fait. C'est bien. On peut aller l'explorer là. Oh, peut-être pas maintenant. On verra. Je pense bon, je vais faire le fer. Ma question était, continue, je le minage optimisé. En diamant, on a combien? 6? 4. 4. On a de quoi se faire deux épées, c'est pas mal, ce serait bien qu'on puisse les faire fasses. Tous les deux une pioche. Ça c'est bien qu'on se les fasse les épées, non? Non, pardon. J'en sais rien. Bon, on va attendre un peu. Faudrait qu'on XP, je te propose cette nuit de se faire une... Bah voilà, non, on va faire les deux épées, tu les fais? Ouais, non, fais-les. Je les fais. Et cette nuit, on se fait une soirée. Détruisage de mob. Ok, donc je pose les pioches. Tous les niquer. Tu me passes les... Oh attends, des bâtons, je vais faire des flèches. Tu me rends les bâtons, t'arrêtes de tout prendre à chaque fois. Deux secondes. Tu peux faire clic droit au lieu de faire clic gauche et comme ça tu prends pas tout. Merde. Non, je m'en branle les diamants. J'en ai fait qu'une. J'en ai fait qu'une. Oui, mais tant mieux. Mais. Enfin, tu te démerdes. Mais... Tu veux ton épée? Oui. Qu'est-ce qu'on dit? S'il te plaît. Redis-le. S'il te plaît, Empire? Non. File mon épée, s'il te plaît. Non, c'est pas comme ça. Enculé, file mon épée. Tiens. Comme ça que ça marche. Tu te fais un arc? On a combien de flèches? Bah j'en ai 35 et j'ai tout crafté. Ouais bah tu m'en fileras peut-être la moitié ou un peu moins. Oui je vais me faire un arc. J'ai l'impression qu'il va commencer à faire nuit. Ou alors c'est... Bah, bien. Alors on a parfaitement de quoi flèches. Faire. C'est vraiment pas un problème. Tiens, derrière toi. Deux secondes. Oh. Est-ce qu'il est pressé cet enfant?
Pourquoi les flèches elles vont pas sur toi? J'ai du bœuf cru qui ne sert strictement à rien. Alors, je repose ça. Je vide un peu mon inventaire. Là, qu'est-ce que je peux y mettre? Le charbon, c'est tout. Il me faut des torches. Bon, parfait, le charbon. Des torches, j'en ai pas mal. T'en as combien? Je peux t'en filer 30. Ouais, ça fera l'affaire. Là-dedans, environnement, je peux foutre. Je vais poser mon épée ça, en fer. Hein, si on ça. Perd une épée, autant que ce soit celle en diamant. J'en ai une en diamant. Oui, moi aussi. Là, on a le bouquin, je le fous dans le coffre. À... Les seaux, je les mets dans outils. Oui. Ouais, pourquoi pas. Ce que j'aurais fait. Oh, alors, coffre à merde. Là, je mets ça. Alors, je vais foutre là. Faut ici. Coffre à bouffe. Tac. Ça va là. Ça va ici. Ça va là. On n'a peut-être pas besoin de tous prendre nos cartes. Que je mets dans outils les cartes, tiens, je suis un fou. Oui, non, mais moi aussi. Pourquoi voilà. Tu poses pour y avoir deux flèches hein. Bon bah tiens, je les prends. Ouais. Voilà, prends-les. J'ai mes flèches, mon briquet, je le remets dans outils. Hein. Yeah. Tiens. Faut prendre de la bouffe. Ouais, j'ai trois steaks de porc, côtelettes de porc cuites. J'ai rien. Je regarde bah, si y a tu des peux te faire du pain, il y a du pain. Et... Ah bah on a des champignons, attends. Yeah. Je vais nous faire des champignons géants, tiens. Voilà, est-ce qu'il va pas. Non, ça va. Ouais, je veux bien que t'en fasses et que tu fasses des soupes. Ok, tu me fais des bols. Il y a de la bouffe de zombies. Hein. Bah, tu peux me faire des bols alors, s'il te plaît. Ah, bah attends, là j'ai un steak. Faire des bols, oui, je peux. S'il te plaît. Je vais utiliser ça, tiens. Bones meal en masse. Des bols, c'est comment déjà? C'est ça comme ça, je crois. Ouais. Vase de on a 36 bols. On ne peut pas poser de champignons sur les biomes neige. Non, je crois pas. Il faut virer la neige. On ne peut pas poser de champignons sur. Bah, vérifie autour si tu peux le poser. Je vais même péter un blé et voir si je peux le poser sur du. Non. Bon, j'ai pété un blé, hein, faudra en remettre. Non, je ne peux en poser nulle part pour le moment. File-moi un champignon. Tiens. What the fuck? Ouais, c'est un peu ce que j'étais en train de me dire. What the fuck? What the fuck? J'ai même essayé de le poser sur de la stone, si tu veux, donc... C'est un squelette, là? Ah non, c'est de la stone. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ton... Que je vais tuer, ça mange pas de pain. Meurs, voilà. Je suis bientôt au niveau 13. Non, on ne peut pas poser de champignons. On est d'accord, c'est normal. Bon, je te laisse tenir la caméra, je vais googler ça. Tu vas faire quoi? Poser champignons Minecraft. Non mais juste what the fuck quoi. Lol. Je sais pas si vous entendez ma souris mais je clique comme un malade là. Bah même moi j'ai entendu un peu je crois. What? Le rouge, non, t'as essayé avec le marron? Oui, oui. Ceci n'est pas normal. Ceci est incompréhensible. Oui, totalement. Ceci est haut. Ceci est haut. Ceci est... On a de la canne à sucre qui a poussé à un endroit. Ah, un seul. Et il y en a une qui a poussé, c'est ça? Voilà, donc je vais le péter. Je vais essayer d'en poser sur les feuilles des arbres. Quoi? Je vais essayer de voir si ça marche sur la feuille d'un arbre. Pourquoi? Parce que les champignons poussent sur les feuilles des arbres. Et non, ça ne marche pas. Oui, non, je pense que c'est plus un problème de... Oh, c'est chiant, ça. Non, mais c'est quand même très bizarre. Si on peut même pas poser de champignons. Et là, tu peux? Non. D'accord, donc c'est pas ça le problème. Mais bon, fallait essayer. Hein. Oui, bien sûr. Je vais regarder si c'est la même chose pour les fleurs. Non, on peut poser des fleurs. On peut poser des fleurs, d'accord. Bah, on pouvait poser des seeds, hein. Donc je retourne sur Google. Et je fais faire moins de 24 heures, tiens. Pourquoi dans la version 1.2.4 de Minecraft, on ne peut plus poser de champignons? Il faut un endroit sombre et spacieux. Bon, bah d'accord. On peut plus les poser à l'air libre, comme des bourrins. Oh. Bon, on va les foutre dans un coffre, on s'en fera plus tard. Voilà. La nuit arrive. Ouais, on se fera une petite culture dans le nether.
Ah, putain. Ouais, ouais, si tu veux. Donc, casse-toi. J'ai besoin de bouffer. Bon, c'est de la merde. Par contre, on a plus de bouffe. Bah, moi j'ai 3 côtelettes. Ouais, non, j'ai de la viande de zombie. Ça suffira. Bah, ouais. J'ai que toute la viande de zombie. Je me nourris uniquement de ça. Tu sais qu'on a du blé, du pain. Ça, oui, non, mais enfin, ça va. Ouais, non. Non, le blé, t'as raison, faut peut-être le garder. Oui. Les love mad. Bah, va prendre du blé, fais leur faire des bébés et bute-en. C'est bon, j'ai pris 9 viandes de zombies, ça ira. Bon, on est paré. J'arrive, je mets la... Ah, j'ai mis la laine dans décoration, par réflexe en fait. Bon, bah, je la bouge. Non, c'est pas grave. Go. Je mets dans le beach. Par où part-on? Ah, on a 2 cannes à sucre qu'on poussait, waouh. Lol. Bon, bah, je sais pas, par où tu veux. Moi, je veux bien le biome désert parce que c'est plat et donc c'est mieux. Oui, il y a plein de monde. Il y a plein de monde. Et puis en plus, c'est mieux pour se battre. Alors, le principe va être le premier qui fait péter un creeper est nul. Ne pas faire péter le creeper, jamais. Et donc, si je décide de faire péter un creeper sur 3 mobs, côté à côté, c'est pas rigolo. Faut pas faire péter le creeper, c'est le but. Bon, si tu le dis. Bon, je te propose qu'on s'éloigne un peu l'un de l'autre. Pas trop quand même, histoire de pouvoir se couvrir. Voilà. Let's kill. Là, vous allez voir du M5 PVP. Alors, ceci est un creeper. Ceci est un zombie. Non, snipons-le. Voilà. Oh. Attends, je lui ai mis 3 coups. Alors qu'avec mon épée enchantée sur ma partie solo, il lui en faut 4. Peut-être parce que t'es déjà dans un certain niveau, non? Non, mais non. Bon, j'ai fait 2 kills à l'arc. J'ai buté un creeper à l'épée, un zombie à l'épée. Il y a une araignée avec un... Non, il y a rien. Je suis tout seul. Mais il y a trop de squelettes dans ce pays. De merde. Alors je vais manger. Parce que moi, ce que j'aime pas comme épée, hein, c'est les épées qui les envoient loin. Ah bon ? T'aimes pas C'est pratique, mais c'est long en fait. Bah pour les creepers, c'est pratique. Je me suis mangé mon premier coup. Ah non, il faut bien 4 coups d'épée pour un zombie. Ah, tu vois. Viens, creeper, viens, voilà. Deux zombies. Non mais, oh, wow ! Ok, je suis doublement une merde. Notez quand même que le dernier, il a spawn juste à côté de moi en fait. On va faire ça. Et je sais qu'il en faut 3 points, creeper. Voilà. Non ! Arrête de bouger, creeper. Oh, ce que je lui ai mis. Tu filmes ou pas? Ah non. Ah. Non, non. Bah, je sais pas, tu. Ouais, si, je peux. Tiens. C'est okay. Comme tu veux. Non, non, mais si. J'ai vu un creeper, voilà. Il est très. Normalement, il meurt d'un coup, voilà. Je l'avais mis 2 flèches. Il y a un squelette par là, j'ai déjà mis une flèche. Je te vois. Alors, ce qui serait bien, ce serait des Endermen. Oui. Endermen. Ceci est un bug de chunk, hein, soit dit en passant. Ah, j'en ai bon. Pas, moi. Ceci est un tir de sniper. Tu ne me voles pas mon XP, s'il te plaît. Fuck! Sauf si c'est moi qui l'achève. Crève! Oh non, je l'ai buté de loin. Donc, ouais. Donc, là-bas, tu verras l'XP près du zombie vers lequel j'ai l'impression que tu te diriges. C'est mon XP, c'est mon creeper, je l'ai buté. Ouais, bah ça, c'est mon zombie. Oui, bah, si tu veux. Mais je le touche même pas, tu vois. Bon. Mais meurs quoi. Quoi qu'il en soit, avec des armures et des épées en diamant, c'est quand même beaucoup plus facile. Sans blague. C'est plus rigolo sans armure avec des épées en cobalt. Oh, un début de grotte. Un zombie qui s'y dirige. Ah, j'ai fait tirer un squelette sur un squelette. Enfin, tire sur le zombie s'il te plaît, squelette. Allez. Bon, d'accord, il veut pas. Comment je remonte? Et tu remontes. Tu fais ton warrior. T'as le droit de poser des blocs, hein. On est pas dans... Je sais pas, Fallen Kingdom. Ou d'autres conneries du genre. T'es quel niveau? 7. 14, Enderman. Ah, attends, on va se le faire à 2. Ok, alors viens. Tu me bats? Oui, je t'avoue. Bon. Ah, 2 Enderman. Fail, attends. On s'en fait un chacun? Non, on va s'en faire un à 2. On est des lâches. Ouais, non, on a pas besoin. Y'a un zombie qui est en train de se... Ouais, j'ai... Ouais, attends. J'ai mis fin... Ah, tu m'as fait peur. Non, c'est moi. Ils sont... Ah, je le vois. J'en vois un là. Et le deuxième est plus bas en fait. Je vais déjà m'occuper attention, de... Attention, le squelette, ouais. Ah. On se le fait ou pas? Ouais, go. Attends, non, attends. Je déclenche, je t'envoie le zombie. Je déclenche le combat.
Voilà, il s'était porté à gauche vers les deux montagnes. Il est là. Voilà. Enderpearl. Attends, j'ai la moitié de, je suis à la moitié de ma vie. Dis. Je crois que je l'ai l'enderpearl. Je peut-être, ouais. Mais j'ai vu une Enderpearl. L'Enderman m'a vu, j'ai vu. Derrière toi, voilà. Derrière moi. Non. Hein. Je me fais taper. Ah là, hop. Là. Je bouffe. Il est là. J'ai une, deux, trois, un, quatre, cinq. Truc derrière. Je perds de la vie. Il faut que je bouffe. Il est là-bas. D'accord, je me fais attaquer par un squelette. Je viens de comprendre. Ouais, moi aussi. Ah, non, moi c'est une araignée. Il me suit, salope. C'était assez épique, j'ai un peu tout enregistré, c'était pas mal. Moi aussi. Moi. J'ai deux enderpearls. Voilà. Non. Ou de l'XP, tiens. Ça bon, doit être là-dessus. Moi je vais attendre de récupérer un peu de vie. Ok, je te vois. J'ai plus de 3 coeurs. Moi il me manque de. Oui, l'XP c'était la mienne. Ah, désolé. Bah, soit dit en passant, je pense qu'on devrait plutôt se focaliser sur celui qui a le plus d'XP devrait en ramasser, non? Tu penses pas? Oui, enfin, dire... mais le truc c'est que. Allez, putain! C'est ma touche, c'est moi, c'est ma touche Z. Bon, du coup, on a du sable. Ouais, du coup, non, t'as perdu. T'as fait péter un creeper. Ah, mais j'ai... ça fait longtemps que j'en ai fait péter. Ah, mais c'est pas drôle. Yeah, 3 mobs. Wow, un cœur et demi. Non, sauve-moi. Mais bon, y'a plus personne sur toi. Tu te planques. T'arrêtes de perdre de la vie, bêtement. Oh, un cochon. Entouré de tout le bordel. Bon, je te suis mis un peu derrière. On va s'amuser à essayer d'avoir un disque. Alors, d'abord, affaiblir le creeper. Coucou. Bon, tu viens, creeper. Creeper, merci. Vas-y, squelette. Je suis derrière lui. J'ai vu. Squelette, tire. Tu vas tirer, oui. Casse-toi en fait, s'il te plaît. Et c'est moi qui suis le creeper. Le squelette va sur moi. Ok, je vais essayer de toucher le squelette. Je crois que je l'ai touché, non? Ah non, c'est peut-être toi. Ah. Je vais me prendre le squelette, si tu veux. Je l'achève. Ah, attention. Creeper. Mais non, mais pourquoi, alors, je vais essayer d'expliquer. Enfin non, rien. Je sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, je me tape avec mon épée en fer. Ah, bah ça explique peut-être. Non, je pense pas. Bah ça explique le fait que tu perds facilement les loups. Non. Bon moi je suis full, mes armures vont bien. Tu les vois les 5 ou 6 mobs là? Ouais, écoute go. Et bah, je passe derrière avec mon arc. Ok. Là, toi, tu vas pas faire long feu. Putain, je les fail tous. Ouais, toi je t'ai eu. Voilà, non. Yeah. Ouais. J'ai pas les squelettes. Tu me l'avais affaibli celui-là, merci. Non, c'est moi qui l'ai achevé. Ah bon? Ouais, avec une flèche. Non. Stop level me taper. Level 16. Ah, t'es là-bas, toi. Ok. Stop me taper. Oh, bah je pense que je t'ai piqué une flèche. Ouais, deux. Non. Putain, c'est 3-6 que je me fais, enfin. Je me fais peur. Je vais attendre de récupérer un peu. Meurs. Creeper. Coucou. Yeah. Au niveau de la nuit, je sais pas on en a combien. Je dirais qu'il va bientôt faire creeper. Jour. Je suis niveau 9. Creeper. Il y avait de l'XP par T'as combien d'underpearl? T'en as une, non? Deux. Ok. Enfin, je vérifie, oui. Oh, copain. Ok, toi t'es mort. Oui, il va bientôt faire jour. Ok, tant mieux. On pourra charogner comme des charognes. Non? Je sais pas, on verra. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je vois le temps. Oui, non. Je disais, tu vois ce que je veux dire par charogner comme des charognes? Ah oui, totalement. Copain. Oh, ce fait. C'est pas mon genre. Non. Des cochons, tiens. Tu as des cochons. Ça respawn, hein, les mobs. Hein. Je vais pas être méchant, mais. Comment ça? Bah, j'ai l'impression que les non. Mobs respawn. Hein. On est jamais allé là? Bah, si, arrête. Là, si. J'ai même commencé là en butant des. Bah, ils se sont déplacés un peu d'ailleurs, quoi. Ouais. J'ai quelques côtelettes, du coup, s'il te plaît. J'en ai 4.
Ouais, bon, on va se finir sur des cochons. Oh, bah voilà, c'est... J'aimerais bien passer level 10, ce serait bien. Ouais. Bon, en attendant, je tue un mouton. Je propose d'enchanter les trucs à partir du niveau 10. Je suis level 16, donc... Ouais, mais après, le problème, c'est qu'apparaît... Enfin, plus tu montes dans les levels, plus c'est long à arriver, quoi. Ouais, ah, je vois le village de PNJ. Oui, il était là-bas. Je vais aller me le visiter. Je vais arrêter de filmer, déjà. Hop. Ah, mais ils ont du blé, attends, je vais saccager leur... Ouais, voilà, prends tout. Prends tout. Saccager. Moi, je finis les cochons. Ils ont un château, même. Oh, putain, il est beau, le village. Okay. D'ailleurs, à mon avis, il a évolué depuis la dernière fois que t'es venu. Oui, non, je vois pas pourquoi. Ah bon? Bah, parce que les villages de PNJ évoluent. Ah. Bah, un peu. Oh, ils ont beaucoup de blé. J'hésite à le replanter, là. Non, tu replantes rien, on replante chez nous. Bah non, parce que... Non, aussi, je vais le replanter. Si. Bah aussi, parce que comme ça fait encore plus. Oui, j'ai du mal à ne pas marcher sur les plantations, quand même. C'est un réflexe durement acquis. Oh, je l'ai perdu, moi. C'est comme taper T pour ouvrir le chat avant de taper un slash. C'est un réflexe que j'ai encore. Si vous voyez ce que je veux dire. Comment ça? Pour envoyer un message, tu fais comment? T'appuies sur T. Ouais. Ouais, par contre, si tu veux faire slash, regarde, tape slash là. Tape un slash. Ça me fait un slash? Oui, ça te le fait direct, sans avoir appuyé sur T. Ah, si je tape un. Ah ouais. Bah, j'appuie sur T quand même. Bah oui, mais c'est un réflexe et on peut le perdre. Tu vois, c'est comme... Alors, j'adore, les PNJ sont tous là. Oui, j'ai... Bah, ils sont en train de voir un débile qui est en train de saccager leur récolte. Non, mais attends, j'aimerais bien passer. J'aimerais pas être obligé de vous tuer. Non, évite. T'as fouillé leur coffre et autres, s'ils en ont, d'ailleurs. Ah, ils peuvent avoir des coffres, en plus. Non, je crois pas, non. Bon. Tu saccages leur récolte? Non, je te laisse faire. J'ai un cochon qui me suit. Ah, mais c'est parce que j'ai du blé. Vas-y. Attends, je vais essayer de la tirer hors des récoltes pour pas... Ils peuvent avoir des gosses, je sais plus dans quelles conditions. Bah, il faut d'abord que le papa et la maman s'aiment très fort. Non, mais je crois qu'il y a un truc. Là, il y a Docteur et son copain. J'ai vu, ouais. Une maison là. Bah attends, je vais aller saccager de ce côté. Casse-toi du champ. C'est ton champ. Donc casse-toi. Oh, voilà. Non, mais je leur rends service quand même, on va dire. Ouais, tu cultives. Ouais, voilà. Mère nature me remerciera. J'ai l'impression que je pète deux trucs d'un coup parfois. Oui, moi aussi. C'est perturbant. Voilà. Ah, il en reste un. Excusez-moi, j'ai failli vous laisser du blé. Désolé. Je vais monter dans la tour de garde. Ouais. J'ai 20. Blé. Yeah, je suis en haut de la tour de garde, je peux te sniper. Je propose qu'on rentre et qu'on voit si les animaux... Oh, oh my god, oh. Bon, j'étais là en fait pour te buter, tu vois. Ah, bâtard, j'ai ça, c'était beau. Ouais, bof. Bon. Petit arc de cercle, tout ça. J'ai pas bougé... Ah, bon, moi, je rentre maison. J'aurais dû bouger, en fait. Je vais faire un tour côté... bestiole. J'ai un stack de blé, tu sais, mais... Quoi? J'ai un stack de blé. Ah, j'en ai 20. Ah, mais il y a du blé là-bas. Bon, alors, c'est fou. J'arrive. Ah, on va s'arrêter. Ah, bah oui. Bah, ok. Donc, attends. Je vais rentrer quand même et puis on s'arrête. Je continue de leur voler du blé. Et j'arrive. Il leur en reste. Bon, bah voilà, c'est cool. Ah, un cochon. Enfin, non, je vais le faire prolonger un petit peu cet épisode. T'es où? Ah, je viens d'up level 17, du coup, c'est cool. C'est cool. Du coup, par où est le maison? Là-bas. Enfin, je crois. Oui, par tout droit. De toute façon, tu devrais voir le temple. Enfin, tout droit. Oui, on voit le temple. Tout droit, c'est toujours tout droit. Si j'aurais pu aller du mauvais côté. Alors, déjà. Déjà, continue. Faire des choses utiles, c'est-à-dire la canne à sucre plantée. La récolte. Alors, tu vas en planter ou tu la récoltes et tu la plantes? Ouais. Voilà.
Ensuite, au niveau des bestioles. Ah, t'as fait, c'est, j'ai trouvé le pont que t'as fait, je crois, pour les bestioles. Spécial. Notre champ, il a un peu poussé, oui. Ah, tant mieux. On s'en branle, hein, du blé, hein, j'ai envie de dire. Bah, à partir de... Je veux dire, on va s'en faire un grand, comme ça on aura plein de pain, et puis voilà. Oui, enfin, j'ai un stack de blé, si tu veux. Oui, mais bon. Et en parlant de ça, je vais donner à bouffer à les bébêtes. Toi, voilà, avec toi, voilà. Allez, baiser. Toi et toi. Surtout ce tour de toi, ça va être mignon. Voilà. Ouais, on peut nourrir à M5, ça. Casse-toi. Ne cherche pas à me nourrir avec tes fils de d'araignée. Je vais t'emprisonner, t'es mon esclave. Donc je suis pile niveau 17. Je suis niveau 9, quasiment 10. Genre à rien. Ah, c'est chiant. Hein. Oh non. Il est bloqué comme... Ah non, c'est bon, j'ai cru. Au pire, je te tue comme ça, je suis niveau 10. Ouais, vite. Si je... Non mais en plus, j'ai sérieusement pensé à me dire... au final, à un moment, on aura vraiment besoin d'enchanter comme des porcs. Celui qui sera le plus haut niveau tuera celui qui a le plus bas niveau. Mais parce qu'on récupère l'XP de l'autre quand on le tue? On récupère pas l'intégrale, mais on en récupère une partie. Et genre, si un jour t'es niveau 40 et moi 30. Ouais, ça, non, faut pas déconner. Ça peut être pas forcément débile. Bon, qu'est-ce qu'on. Ah, bah de toute façon, on va arrêter, hein, c'est la fin de l'épisode. Enfin, les livres, je les mettrai dans le bois. Épisode numéro 9, j'espère que vous avez aimé. Quoi qu'il en soit, on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode la prochaine fois. Ciao, ciao! Ah, ciao!